La montée en puissance du groupement des forces spéciales vient insuffler une nouvelle dynamique au sein des forces armées guinéennes. Cette unité d'élite a célébré son baptême de feu aux écoles militaires de Mania à travers une manœuvre synthèse dénommée l'enfer sur terre. Ces hommes ont atteint un niveau de professionnalisme très élevé. Ils pourront faire face à toute menace éventuelle liée aux prises d'otages, opérer derrière les lignes ennemies et se montrer à la hauteur de l'outil stratégique qui est le groupement des forces spéciales. C'est la coopération entre les partenaires avec le corps diplomatique. Nous sommes les partenaires contre les menaces. Et merci pour cet événement. Merci pour la coopération pour améliorer la situation ici au Mans. Au terme de 3 mois de formation intense avec les experts américains spécialistes des combats urbains, ces combattants du 21e siècle reçoivent leur diplôme. L'organisme préparatoire et emploi des forces s'en réjouit. Aujourd'hui, nous concluons une manœuvre menée avec les formateurs américains ici présents. L'état-major général se réjouit de la conduite de cette formation et par ma voix, je voudrais remercier nos partenaires, les formateurs, les instructeurs qui se sont déployés jour et nuit pour doter de nos forces spéciales des qualités requises en matière d'opérations spéciales. La formation et la qualification du personnel militaire constituent les axes d'effort de l'état-major général des armées. Il compte mettre en place une armée disciplinée, bien entraînée et bien équipée.